Bonjour de Gaza, nous sommes le samedi 13 janvier 2024, 100 jours après cette nouvelle agression israélienne contre les civils de Gaza, aucun objectif israélien n'a été réalisé. Donc l'armée israélienne, c'est une armée criminelle, c'est une armée impuissante. Après 100 jours, malgré les massacres, les crimes, aucun objectif n'a été réalisé. L'armée de l'occupation, elle n'a pas réussi ni à se débarrasser, ni à liquider, ni à détruire les dirigeants de Hamas, ni à toucher les capacités de la résistance palestinienne, et elle n'a récupéré aucun otage. C'est vrai, le bilan est très lourd, 23 000 morts palestiniens, parmi eux 10 000 enfants, 7 000 femmes et 4 000 personnes âgées et 60 000 blessés, sans oublier la destruction massive de presque 75% des infrastructures civiles de Gaza, mais à part ça, il n'y a aucun objectif israélien. Donc le vrai objectif israélien, c'est briser la volonté de cette population civile résiliente et résistante et mettre la pression et surtout mener des massacres et des crimes et des génocides. Les Palestiniens sont plus que jamais déterminés et aucun objectif israélien n'a été réalisé 100 jours après le début de cette nouvelle agression israélienne contre la bande de Gaza. Merci beaucoup, Ziad Midou, Gaza-Palestine.